notre équipe avec 8 combattants. Wow. Ça fait, ouais, 32 combattants quand même. Ça aura le mérite de terminer les phases de sélection assez vite. Firantis a été assommé. Oh, Firantis, qu'est-ce que je t'ai mis? Mais je te l'ai mise, mais bien en plus. Alors, Zirina, il me semble que c'est un personnage qu'on peut recruter, mais qu'on croise extrêmement rarement. Si je me souviens bien. Merde, c'est méga ça. Les alites d'assommer. Oh là là, mais je suis en train de mettre la. Je suis en train de défoncer tous mes petits gars. Et j'ai défoncé lui et son cheval dans le même mouvement. Oh la puissance de ma lance. N'ayez pas d'arrière-pensée, espèce de petit pervers. Ah, Xirina est dans mon équipe. Ok. J'ai enfoncé toute la lance dans la tête, mais il est vivant. Pas de soucis. C'est moi qui vais me faire gangbang là. Voilà, maintenant on va discuter toi et moi. Voilà. On s'est calmé ça. T'en fais pas, je vais te spammer jusqu'à ce que ton bouclier se pète, y'a pas de soucis. Moi ça me pose pas de problème. Ouais, voilà, il est mort. Deux équipes avec deux combattants dans chez-tu. C'est la demi-finale. Alors ça, c'est Vache qui est quand même une équipe qui a accès au cheval. Hein. Surtout quand c'est la mienne, en fait. Bon, je suis dans la merde. Parce que j'arrive pas du tout à manier en troisième personne l'épée. Je comprends maintenant pourquoi mon ami à l'époque me disait que qu'il n'arrivait pas à gérer l'épée, c'est que lui il devait jouer en la troisième personne. Ce qui n'était pas mon cas, moi je jouais déjà à la vue à la première personne. J'arrive pas du tout à viser. Autant avec une arme qui est de bonne allonge, c'est pas un problème, alors autant avec une épée, c'est pas évident. Surtout une épée à une manche, je crois. Zirina, tu es tombé. Tournoi qui rapporte. Oh non, ça c'est Vache par contre. Ça c'est Vache. Aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie. De ta vie de perdant. Désolé. Désolé. Bon. On a peut-être fait un petit peu trop. Là, c'est quoi? Là, c'est du Veigir, ça, du Saranid. Seulement 690. Alors, j'ai pas de revenu de Nomar ni d'Erguelon, pourquoi? Nomar n'a pas été pillé. Peuple est neutre envers vous. Moins 3. D'accord. Je sais pas pourquoi. Mais même pas. Oh merde.
Eh merde. Bon, bah on va se battre jusqu'au bout. Ah, j'en ai 98. Je crois qu'il a mal choisi son moment pour m'emmerder. Ah, oh, mais il m'attaque quand j'étais dans un village. Oh, le blaireau. En gros, j'ai des paysans avec moi. À l'assaut. Bon, les paysans, c'est toujours ça, hein, ça fait de la chair à canon. Au moins, ils tireront sur eux et pas sur mes cavaliers. Bon, en tout cas, pas tout de suite. Alors, c'est même pas les soldats professionnels qu'ils ont. Ils ressemblent à des paysans, eux aussi. Bon, quoi, une armure en cuir, c'est tout ce qu'ils ont de plus. Par contre, dans une mêlée comme ça... Bah, les gardes de caravane tués, ça fait pas... Hein. Allez, en avant, en avant. Ah, le pauvre, il est à pied. Bravo Mardid, tu as réussi à faire quelque chose pour une fois, c'est pas mal. En plus, il a directement attaqué le gratin. Voilà, enfoiré, ça t'apprendra à tirer sur mon cheval, connard. Victoire! Il a osé tenter l'affrontement et il a perdu. J'ai eu un mort seulement, un garde de caravane. Lui, j'ai mis en... J'ai tué beaucoup de gens en face. Et j'ai à nouveau des chevaliers soignants. Performer. Et voilà, une centaine... 10 pays, j'allais dire une centaine, mais bon, non. 10 deniers le paysan, ça fait 10 paysans. Voilà, c'est tout. Et c'est parti. Haringot le château. Ouais, mais je m'en fous d'Haringot le château. C'est pas Erguelon. Ah, oh, mais maintenant j'ai des terres. Eh merde, trop tard. Dommage, j'aurais pu tenter. Ah, rançonneur, ménestrel itinérant, des cavaliers mercenaires. Cavalier. Ah là, je sais pas. Est-ce que je vais en recruter? Parce que j'ai besoin de beaucoup d'hommes très rapidement. Non, pas les mercenaires, non. Non, on va pas prendre de mercenaires. J'aime pas trop les mercenaires. Ils coûtent trop cher, quand même. Trop cher pour ce qu'ils sont. Ils sont, ça, très efficaces, mais ils sont trop chers. Ouais, bon... 23. Bon bah au moins comme ça, ça le mérite d'être père. C'est pas en recrutant deux paysans par deux paysans qu'on va arriver à avoir une armée. Ah, là par exemple, les déserteurs. En nordique, ça c'est du bon plan. Par contre, il veut une... Ah, j'ai une vitesse de 6,4, je tiens pas à la recruter. À l'assaut! Attends. En avant. Ah, quand même, les archers vétérans. Ah, ils sont quand même stuff. Ils ont l'air d'avoir du stuff quand même. Enfin, c'est seulement une apparence, ils sont pas sûrs, ils sentent ça. Par contre, des vétérans, des archers qui se battent avec des haches à deux mains là. Oulala.
C'est des grands malades les archers nordiques, hein, mine de rien. Les mecs, ils ont des arcs, ils ont des grands, ils ont des arcs longs, des épées à une main ou alors des haches à deux mains carrément. Enfin, bref. Et ils ont des armures en métal. Hein. Mon mec il ressemble à rien. Des chasses, voilà, c'est comme ça qu'on recrute des gens en masse. Ah, il y a quand même du mec déjà entraîné. Encore un chevalier. Est-ce que Erguelon est toujours assiégé? Non. Attendez, pourquoi ils essayent pas de reprendre du coup? Ça serait une belle occasion. La vie doit plus avoir beaucoup de gars, plus beaucoup d'armées autour. C'est le fait que j'ai mis que des soldats d'élite qui les impressionne autant. J'ai ne serait-ce qu'un seul soldat un peu... Par les chevaliers, j'ai personne, d'accord. C'est retenu. Ils ont cramé pas mal de villages, sauf le mien. Je sais pas, ils ont peur maintenant de moi. Ah, il y a des bandits, c'est pour ça que j'ai rien gagné. À mort! Les connards, ils vont en profiter. Je repars et ils rentrent dedans. Vite, 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 la lance! Souris de merde! C'est bon. J'ai dû faire au moins 5 tours avec la molette hein, pour arriver à avoir ma lance. Alors, ici, il reste un problème une fois, mais il faut que je recommence. Bon. Vu que ça commence vraiment à m'énerver, mais au plus haut point, je pense que je vais régler ça ce soir, je pense. Ouais. Pas ce soir, si je raconte. Quoique, vu qu'est-ce que j'ai à faire, si peut-être ce soir. Non, non, normalement ça devrait. Non, plutôt l'après-midi, il faut être réaliste. Pas non plus. Ça va pas me prendre non plus des heures, faut pas déconner. Ceux qui touchent à ma paysan sont mes ennemis jurés, bande de connards. Ouais, ouais, ouais. Oh non, c'est quand même mon village, hein, j'ai pas non plus. Quand même pas extorquer mes propres paysans, faut pas déconner. Pourri. Poisson fumé donc il peut pas pourrir. Alors lui je lui montais quoi déjà? Apparemment je lui montais ses caractéristiques personnelles. Ce qui me fait penser que... Ah merde, il y avait un lancier qui était prêt. Voilà, je dois gérer le château comme qu'on soit un poste.